Bon, voilà, maintenant on reprend. Moi j'ai fait mes 42 lignes. Donc, comme je vous ai mis sur la vidéo juste avant, il faut terminer les 42 lignes. Voilà. Ici, bon, ici c'est la poubelle grise. La poubelle bleue, c'est. Je suis montée à 48 pour la poubelle bleue et je l'ai fait de 15 de hauteur. Donc 16 avec l'élastique final pour faire demi-tour. Donc ici c'est pour cette poubelle-ci. Je fais exactement la même. Donc, ici maintenant, on va reprendre. La maille de fer. Bon, j'avais fait une erreur, j'étais à 19. C'est pour ça que je dis toujours de compter bien les lignes. J'ai vu mon erreur qui était très bas. Et en fait, j'ai pris une maille en double ici dans l'avant-dernière ligne pour rectifier l'erreur, pour ne pas tout défaire. C'est pour vous dire que je fais encore des erreurs. Donc ici maintenant, on va venir rassembler les deux côtés. On va piquer dans la première maille, dans la toute première maille de la première chaînette qu'on a fait. Et on va venir mettre un élastique. Voilà. Donc ici, on va compter. Moi, j'ai compté qu'il y avait 22 trous. Donc ici, on va venir piquer dans chaque trou du. Dans chaque trou ici. On va vous expliquer exactement comment je fais. Il y a des trous. Donc, oups. Voilà, dans chaque trou. Donc celui-là, celui-là, celui-là. On va venir piquer, on va faire une maille à chaque fois. Donc ça c'est pour juste rassembler le tout, hein. C'est juste pour ça. Donc ici on vient piquer. On fait des points dans tous les trous de la poubelle ici sur le bord. On vient mettre un élastique. C'est juste pour faire un bourre à la poubelle. Voilà. On pique. Les points basiques comme quand on fait une poubelle, comme quand on fait la poubelle ici ou le chat. C'est les bêtes points basiques. Il n'y a rien de bien précis à faire. C'est juste pour faire un bourre en fait à la poubelle pour pas qu'elle soit finie comme ça, quoi. Donc on pique dans chaque trou. Vous allez les voir, hein, parce que moi je ne sais pas bien les montrer, mais il y a des trous. Il y a des trous à chaque fois avec l'élastique qui monte. Et on a normalement, il y a 42 mailles, donc il y a une vingtaine de trous. C'est à chaque fois deux lignes. Ça c'est le finir hier, après j'ai pas franchement eu super beaucoup de temps. J'ai même pas eu le temps de commencer ma nouvelle créa non plus, donc j'ai fini vite aujourd'hui. Ici ça n'a pas d'importance. Pas trop d'importance de savoir combien il y a de mailles. Je vais quand même compter combien. Je vais coucher le tuteur. Faut que j'arrive à compter. Je monte à 24 heures, je vais refaire taper une maille ici. Je vais retaper une maille ici. Donc les mailles, bon, ça là je l'ai compté. Il a un groupe, c'est le Christ obstruant le colédoque. Il faut le drainer immédiatement. D'accord, on verra plus les chiens. Tout de suite, d'accord. On va devoir m'opérer. Voyez, on doit évacuer tout ce qu'il y a. Au fait, de reprendre, je veux. Oui, excusez-moi. Ça peut être drainé par voie interne dans une écho endoscopie. Je suis entre deux patients, je serais ravie de faire. Une écho.
On a fait une étude et les risques de complications sont moindres que dans un drainage externe. Donc je vois. Et qu'est-ce qu'il ne simule pas les charges? 1,4% de complications pour un drainage par endroit Je sais, je ne sais plus exactement comment j'avais terminé ma poubelle, c'est formidable. Donc voilà, ici, on a fini, on a mis, normalement, il doit y avoir 22 élastiques, il me semble. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, oui. 22 élastiques. Donc ici, on va rassembler, pour ne pas lâcher là à chaque fois, pour ne pas faire à chaque fois, pour ne pas à chaque fois faire des fermoirs, on va venir directement passer ici dans les mailles. Donc, un peu comme on a fermé les arêtes de poisson. Donc, on va venir... Il y a 18 mailles, donc. On va venir dans la première maille de chaque côté. Donc, du côté ici et de l'autre côté. On va venir piquer. Ici, on vient mettre... On va faire maille par maille, hein, pour bien fermer la poubelle. On vient mettre l'élastique. En fait, c'est comme des mailles basiques, encore une fois. C'est comme les mailles que vous venez de faire pour fermer la poubelle. Et on passe à la suivante. Il faut faire les 18 mailles comme ça. Et encore une fois, les finitions de la poubelle, je ne les ai pas notées. Moi, je fais ça sur le fun à chaque fois. J'ai pas un truc bien précis, c'est pas comme, comme la construction de la poubelle, ou comme la construction du chat, ou de la paix, ou n'importe quoi. C'est vraiment. Des coutures, quoi, c'est pas. De toute manière, ce sera à l'arrière, et je vais la retourner de toute manière, donc ils se barrent pas. Voilà. Et on fait ça les 18 mailles. À chaque fois qu'on rentre, on a les deux élastiques, les deux mailles à chaque fois des deux côtés. Pour bien fermer. Savoir, comme j'ai dit, je vais retourner la poubelle. On va venir mettre le carton. On va diminuer, on va venir mettre le carton. De l'autre côté. N'allez pas prendre des mailles du dessous, apprenez bien vraiment que les deux mailles. Hein. Faites bien attention d'aligner bien les deux côtés, hein, qu'il n'y ait pas une maille de trop en bas ou parce que vous n'avez pas bien aligné au-dessus. Voilà, la couture est faite, la poubelle est bien fermée, on va venir la retourner pour ne pas avoir la couture. Voilà. Ici, j'y suis, voilà. Là ce sera le dessus de la poubelle en fait. Ici j'ai découpé un carton. Oups. Un carton pour mettre dans le fond ici. D'abord, donc maintenant ici, on vient reprendre la première maille. Comme ça, il n'y a jamais de fermoir. Hein. Maintenant, il faut arriver à 24 ici pour diminuer de 6 ou 20 ou 24 pour diminuer de 5 ou de 6. De toute manière, c'est le dessous de la poubelle, on ne le verra pas. Mais donc ici, on va venir pareil que de l'autre côté, il y a des troncs. Donc voilà. Oups. Et vous voyez, là, c'est un tronc. Là, c'est un tronc. Donc, on va venir passer dans chacun de ces trous-là. Donc, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22. Comme par hasard, hein, c'est la même chose que de l'autre côté, fatalement.
Mais il faut arriver ou avec, à mon avis, à 24, ce sera mieux. Donc, on va passer deux fois des élastiques dans un trou pour arriver à 24, parce que sinon, on n'arrivera jamais à 24. C'est pour avoir la diminution plus facile, en fait. Hein. C'est juste pour ça. C'est juste assez pour le cul de la poubelle qu'on ne verra absolument pas. De toute façon, je vais rester avec ça bleu pour le couvercle, parce que ça bouffe au gris, ça bouffe à la couleur que vous allez utiliser. Hein. Je sens que la poubelle, c'est facultatif. Donc, vous savez faire le chat, c'est déjà pas mal. Donc, on va faire 11. On va faire 10 mailles et on va faire une double sur la 11e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et alors ici on va nous piquer deux fois dans la même maille. Donc on met une fois, une deuxième fois. Ça, on est à 12, puis on recompte 10. Et alors ici on a piqué dans la dernière maille deux fois. Il faut que vous arriviez à 24 en fait hein, pour pouvoir diminuer, ce sera beaucoup plus simple. La première. Attention, ne comptez pas celle-ci. Celle-ci, c'est la dernière maille de la couture. Donc, il faudra après... vous comptez 24. Donc, peu importe. Si vous comptez 25 avec celle-là, vous vous accrochez à celle-ci, juste la première ici. Parce que normalement, c'est celle-là qui compte. C'est pas celle ici, c'est celle-ci. Parce que ça, c'est la dernière maille de la couture, en fait. Donc, en comptant, normalement, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc, maintenant, on va faire une diminution. Donc, 24, on va passer à 18. Donc, pour la diminution de 24 à 18, c'est deux diminutions, je pense. Deux mailles simples. Deux mailles simples, une diminution. Diminution, on pique de la maille, on tourne, on repique. Et on n'en fait plus qu'une à la place de deux. De une diminution. De mailles simples, une diminution. Toute la ligne. Merci. Très bien, Bill Gates. Tchoum! De mailles simples, une diminution. J'ai excusez-moi encore pour le... Moi, je... Pour les petites finitions comme ça, c'est vrai que je note rien du tout. En général, je fais ça comme ça sur le fun. C'est un peu comme les ailes des petits poussins. C'est vrai que j'ai tendance à pas super noter. De toute manière, je ne vois pas quoi noter. Donc, spécialement, noter une diminution, une augmentation, une maïsèbe, ça va. Noter ça, je me comprendrais pas. C'est pour ça que je ne me retrouve pas dans les tutos, d'ailleurs. C'est des trucs un peu spéciaux. Je suis complètement largué, donc. Je t'ai dit que ça marcherait. Alors, Tim, comment vous vous sentez? Je fais comme ça sur le fun. Donc ça donne ce que je veux que ça donne, pour moi c'est ce qui compte. Après j'essaie de vous expliquer au mieux, mais... Je dis, le principal c'est d'arriver à 24, après c'est une bête diminution comme sur une créa basique. Voilà. On est à 18 ici. Donc on va venir mettre le... Je sais pas, je vais peut-être encore diminuer de 1, et puis je vais remettre le carton.
Il faut bien mettre le carton, y compris le carton sur le contour. Moi, je vais pas le mettre le carton sur le contour parce que j'en ai pas ici sous la main. Je vais mettre le carton du fond. Par contre, le carton du pourtour, il faudra le faire. Vous ne le collez même pas. Vous le prenez juste aux dimensions de la largeur de la poubelle. De la hauteur, pardon, de la poubelle. Et vous le tournez et vous le mettez dedans. Ce sera plus facile parce que si vous mettez un chat dedans sans ça, ça ne va pas glisser. Ça va être une catastrophe, quoi. Et en plus de ça, la poubelle ne tira pas bien. C'est pas comme, voilà, déjà pour le chapeau du lapin, le lapin chapeau, déjà le chapeau ne tenait pas super bien, bien que là, la hauteur n'est pas la même. Donc c'est plus facile de dire là-dessus. Ici, la hauteur est quand même haute et ça va peut-être pas le faire si on met pas. Moi, j'ai fait comme ça en tout cas. Donc ici, on va diminuer de 24, de 18, pardon, à 12. Donc pour diminuer des 18 à 12, c'est une maille simple, une diminution. Une maille simple, une diminution, toute la ligne. Ça va encore une fois, c'est le cul de la poubelle. Une maille simple, une diminution. Ça, par contre, on tombe toujours comme d'habitude, comme je suis très haut. Comme d'habitude, on tombe toujours sur la diminution au niveau du tuteur. Hein. Apparemment, les deux poubelles, les autres poubelles, je les ai fait avec des persians qui glissent pas du tout. J'ai à peine chié des barres. Mais j'ai bien dû le faire comme ça parce que bon. Donc, ici, on va venir mettre le carton. Et attendre tout bas de la poubelle. Bon, il va pas super bien. On sait pas le bloquer, le carton. On va essayer de bien le mettre au centre. Moi j'ai mis, à savoir que moi j'ai mis le fond qui tient pas des masses parce que fatalement il n'y a rien pour le tenir. Et puis j'ai tapé de l'ouate un petit peu par-dessus pour essayer de le faire bien tenir. Donc ici on est à 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va faire que des diminutions pour arriver à 6. On prendra le carton gouvernement après. Donc on fait 6 diminutions, de 12 on passe à 6. Voilà, donc ici on va venir bloquer. Ça n'a rien d'en faire 53 000 des mailles parce que bon après on a toujours des bosses, après ça c'est pas joli. Si on fait trop de diminutions parce qu'on trouve que le trou est encore un peu large, on est à la porte, c'est pas joli. De toute manière, juste sur la fête de la poubelle, il y a rien qui ira voir en dessous. Ouais, de toute manière, voilà, il est nickel. Moi, je dis, après, on met le carton du pourtour. Donc, on vient faire un carton à la hauteur de la poubelle.
On prend une largeur assez pour vraiment que ça se chevauche, que les deux cartons se chevauchent, et on met à l'intérieur de la poubelle. Et ça va tenir de toute manière le fond. Et ça tiendra dû au fait que voilà, ici on est bien. Moi bon, ici je vais vous faire le couvercle, je vais pas faire ça parce que bon, de toute manière vous savez le faire. Je vais juste faire le couvercle maintenant. Couvercle de la poubelle. Pour le couvercle de la poubelle, on prend le T. On va venir faire un cercle magique de 6. Ça fait un jeu de 6, est-ce qu'on a une mouche? Donc ici, on est à 6, on remonte à 12. Donc ça c'est couvercle. Pour monter à 12, on double tout. Je crois qu'ils ont un wifi à Baltimore. Oui, bien sûr. Ça va. Merci. Merci tellement. Mmh. Et où tu es? Je te promets que ce sera bien. D'accord. Hé. Hey. Oui. Tu lui as parlé? Oui, il faut voir aussi. Tu sais, à propos de ce matin. J'avais jamais remarqué que la possibilité de me rendre emprunt. Mais j'en ai. Alors, je crois que c'est bien pour un homme d'avoir. Le 12, on passe à 18. On en monte jusque 36 ici. Pour le couvercle. Donc ici, on passe à 18. Une maille simple, une maille double. Je t'ai séduite comme tu voulais que je le fasse. Je t'ai appelée comme tu voulais que je t'appelle. Mais je ne sais pas y avoir y penser. Une maille simple. Une maille double. Il faut qu'on la vive à deux. La prochaine fois, je n'aurai pas de plaisir, je te dirai. Voilà, ouais, c'est ça. Absolument, tu es prête à parler. Tu as raison. Non, mais ça va. J'adorerais ça. T'es vraiment sincère, hein. Tu signes encore. Au revoir. Au revoir. Tu me crois maintenant? De 18, on passe à 24. On passe à 24, c'est deux mailles simples, une maille double. Il y a que cette année, on a eu plus de jeunes qui se sont fait abattre que depuis Dieu sait quand. Et lui, tout ce qu'il a pu traverser quand il était jeune, il voulait ce qu'il était les soins. Deux mailles simples, une maille double, toute la ligne. D'ailleurs, j'ai une dame qui est venue me parler aussi en privé en me demandant pourquoi je ne faisais pas comme certains maîtres. La base virale VPS a été mise à jour. Désolée.
pour voir pourquoi je ne pouvais pas mettre à chaque fois les étapes en écrit, en fait, pour ne pas que les gens doivent suivre le tuto à la lettre. Si je savais me servir d'un ordi déjà, je suis peut-être douée pour les élastiques, mais alors pour l'ordi, même pas la peine, quoi. Il m'avait déjà fallu 6 ans pour apprendre à les mettre sur YouTube. Voilà quoi. Je ne vais pas commencer, je ne saurais pas faire ça. Je lui ai dit, franchement, je ne sais même pas comment on fait. Et même encore maintenant, j'ai encore du mal à les mettre sur YouTube. Et des fois, je dois encore demander à mon maman comment est-ce qu'on fait pour renommer les vidéos. Voilà quoi. J'essaie de me démerder toute seule pour pas à chaque fois ennuyer mon petit homme, mais voilà. Ben, commencer à mettre à chaque fois toutes les étapes de mon tuto. Je lui ai dit à la dame, ben, les 3/4 des gens prennent des notes et refont par après, comme ça ils n'ont pas besoin de me suivre mot pour mot. Maintenant, c'est mieux pour ceux qui savent vraiment pas s'en sortir sans un tuto vidéo. Dire que c'est pour ces gens-là, je veux dire que je continue, mais. Je me dis que maintenant, beaucoup de gens s'en sortiraient avec les notes, c'est que ce serait beaucoup plus simple. Pour moi comme pour les gens. Pas obligé de m'écouter pendant 4 heures, avec encore une fois mon superbe accent. Mais bon. On est à 24, on monte à 30. On monte à 30, c'est 3 mailles simples, une maille double. Tu as changé d'avis, c'est bien ça? 3 mailles simples, une maille double, toute la ligne. Arrête. Sarah, toi, il faut accepter certaines choses à votre cœur pour obtenir son désir. Non, c'est juste que voilà, je serais pas capable de faire des trucs comme ça. Si j'étais capable, franchement, je le ferais aussi. Hein. Ce serait plus simple pour tout le monde aussi que de suivre mot pour mot ce que je dis. Voilà, il faut encore savoir utiliser un ordinateur. C'est déjà. J'ai plus que ça de gris, j'espère avoir assez. Je suis pas sûre. Quelques-unes de 36 affaires, je sais pas du tout. Voir. Je vous donne ce qu'il faut faire. Je vous montre le principal. Savoir que moi j'ai attaché le couvercle, donc je vais pas vous montrer comment j'ai attaché le couvercle, parce que moi j'ai fait ça là, je kiffe. De toute manière, ça se voit pas forcément. Donc, enfin, attacher le couvercle, je pense que n'importe qui est capable de le faire. J'ai une fille qui est venue me trouver aussi en me demandant comment on faisait. Elle ne s'y retrouvait pas pour les coutures. Les coutures, il faut regarder, mais je ne sais pas exactement où je les mets, comme j'explique toujours. Donc il faut juste regarder les vidéos pour savoir exactement comment je les noue, des trucs comme ça. Mais après, je ne vais pas vous aider plus. Tu m'en as pas parlé, vous n'aurez pu te remplacer. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Mon cousin a appelé, il a dit. Il a dit qu'il n'y avait pas de place. Mon père était à l'hôpital depuis une semaine. On est à 30, on passe à 30. Parce que vous voyez, bon, mais ici j'ai pas mis le carton à l'intérieur, mais c'est un peu petit. Donc on va passer à 36. Moi j'ai fait comme ça en fonction de du haut de la poubelle, hein. J'ai pas fait autrement. Donc 4 mailles simples, une maille double. On passe à 36. C'est pas comme ça que la famille Maurice voit les choses. Maurice est un homme. Tu sais, tout ce que j'ai toujours fait,
lui prouver qu'il avait tort, qu'il avait tué ça. Et il disait qu'il gaspillait son prix pour ma médecine, parce qu'il croyait que je ne peux plus entrer, mais j'ai réussi. Il disait que je ne serais jamais dans un bon hôpital, mais j'y réussis. J'avais un plan. Je voulais décrocher l'examen dans quelques semaines. Et aller le voir et lui dire, tu vois, j'ai réussi. Espèce d'imbécile, je suis un spécialiste. C'est trop tard. Continuera de se moquer de moi. Maurice, je suis sûre qu'il était fier. Je pense plutôt qu'il ne savait pas te le dire. Non. Non, il rit encore. J'entends son rire. Il rit encore. Quatre mailles simples, une maille double. On n'aura pas de diminution ici, on va rester à 36. On va juste inverser les mailles à la ligne d'après pour faire un rebord. Normalement, en général, j'apprends les mailles qui sautent parce que je vais aller trop vite. Parce que même quand je travaille comme ça, pour moi, je fais les mêmes conneries. J'ai du mal. Ouais, on est à 36. On va rester à 36, tout simplement. Sauf qu'ici, on va inverser les mailles. Donc ici, on va venir prendre les mailles, comme je vous ai montré pour la... Non, pas pour la bouteille de champagne, mais c'est comme ça que j'avais appris, moi, pour faire les rebords. Mais je vous l'ai déjà montré sur le chapeau, je pense. Je vous l'ai déjà montré sur deux ou trois trucs. On vient juste inverser les mailles. Donc au lieu de les prendre par l'avant, comme ceci, on vient les prendre par l'arrière. Ça va faire un rebord. C'est un peu plus chaud à faire, on va le dire comme ça. Mais c'est facile. Ça va mettre un peu plus longtemps pour faire la ligne. On fait ça sur les 36 mailles, en maille seule, tout simplement. Je fais une demande de travail. Et ça m'aiderait. D'accord, quel genre de travail? Secouriste. Chez les pompiers. Il faut voir quelqu'un à l'intérieur pour vous faire compenser. J'aiderai donc. Pas de soucis. Si la maladie. Oui, mais c'est aussi mon cas. Le père de Lucas est malade, il va partir en face. La chimio peut durer 6 mois et on a une vie ici. Papa. C'est fou à quel point il aime son père. Oui, son père doit lui manquer. Donc, comme j'ai dit le premier plutôt, je les ai fait enfoncer parce que je voulais faire des poubelles. Mon optique, c'était vraiment de faire ça. Maintenant, comme il y en a qui m'ont parlé de manalèche, je voulais faire en plus clair. Hein. Ce sera tout aussi joli, c'est vrai, pour faire une manalèche, pourquoi pas. On peut même faire en montant, faire comme ça, donc faire un cercle magique de 30, enfin, monter jusqu'à 36 et puis monter la poubelle à hauteur. C'est pas, on n'est pas obligé de faire comme ça. Moi, je voulais vraiment les lignes dans ce sens-là, donc je les ai fait dans ce sens-là, mais faut très bien faire. Très bien faire autrement, il n'y a aucun souci. Salut, ça va?
Fais attention de ne pas passer une maille, parce qu'on passe vite une maille dans ce sens-là, je ne sais pas pourquoi. On te dit que vous êtes bien dans 36. Comment ça va? Ça sent bien. J'adore regarder les bleus. On se connaît? C'est la fleur. Je viens d'être transféré de Rogers Park. Ça va être sympa. J'aurais bien aimé avoir un congé à tout le quand j'ai commencé. Je vous en prie. Faites le maximum. C'est la gauche. D'accord. J'en reste. Monsieur Rio, oui. Ici le docteur Tony. Je sais pas pourquoi j'ai toujours mal à la main quand je prends les mains dans ce sens-là. Il est au stade. Il s'appelle George Litvinsky. Ouais, ça fait directement hors bord. Ce sera plus joli. Je suis désolé, je sais que c'est très court. Oui. Oui, merci beaucoup. J'apprécie sincèrement ce que vous faites. D'accord. Merci. Ouais, t'as 36, on reste à 36, on refait en maille simple, tout simplement, on vient piquer dans la maille tout, normalement. Donc ici, on ne prend plus à l'envers, mais on le reprend dans le bon sens, et on fait 36 mailles dans 36 mailles, maille simple. J'en sais rien, moi, détournez les yeux, qu'est-ce que vous voulez que je passe? Oui, tout le monde, voici l'arrière, le nouveau gars de l'accueil. Dans l'arrière, voici. Conduit le 36, donc celle-ci c'est la première, encore une le 36 c'est la poubelle finie, le couvercle fini. Non, vous pouvez très bien en mettre qu'un, hein, si vous voulez économiser un peu les élastiques, je pense que même, moi j'en ai fait deux, si vous voulez que le rebord soit un peu plus haut, pour ceux qui veulent économiser les élastiques, économisez, mon dieu. Vous faites qu'une rangée, hein, ça donnera pareil. Vous êtes trouvé? Vous êtes blessé, vous? Non, mais je suis gardien d'immeuble, je pense aux arrêts pour les maris. Ça ne l'avait jamais gêné avant. Aucune allergie par un décès d'un enfant? Que c'est vrai que c'est un paquet, à mon avis, parce qu'on me demande souvent l'élastique, encore une fois, je ne compte pas plus que ça, mais à mon avis, c'est facilement un paquet et demi, rien qu'une poubelle, hein, c'est énorme, hein, pour faire une poubelle, c'est abusé, mais... Enfin, hier, j'ai vu une criade, 76 000 élastiques, donc je me dis, il y a des fêlés, il y a des pires que moi, hein, largement, c'est même plus fêlé à ce niveau-là. Mais alors, quelque chose de magnifique, hein, c'est un mural splendide, franchement, j'ai trouvé ça magnifique, faut déjà être motivé. Il y en a certains qui ont marqué un élastique qui pète au milieu, donc on pleure. Hein. 76 000 élastiques. Faut déjà être motivé. Franchement, le monsieur ou la dame, je ne sais pas combien de machines il a travaillé, mais en tout cas, c'est. Maintenant, les détails dans la criée, c'est splendide. Non, je ne suis pas très mural dans le sens où. Si je vais faire un mur, je le fais en perle à main. Je le fais pour un élastique. Pour la télé, donc moi je suis pas très mieux, hein. Je suis pas très mal, j'ai même jamais essayé, hein. Je pense que j'y arriverai, mais j'ai même jamais essayé, ça ne m'intéresse pas plus que ça, on va dire comme ça. Mais ça fait déjà bourre-bord, on peut très bien laisser comme ça, hein. Bon, la poubelle, encore une fois, il faut le carton intérieur, hein, parce qu'il faut pas juger comme ça, voilà. Moi, je vais refaire. Si j'ai assez, je vais essayer de refaire une ligne de 36. Je n'ai plus que ça comme élastique. Oui, c'est pas une couleur que je mets beaucoup. C'est pour ça que j'avais pris ces couleurs-là pour les poubelles, parce que je voulais une couleur. Je ne veux pas utiliser des couleurs pastel que j'utilise tout le temps. Enfin, une poubelle, quoi. Ou des couleurs perlées, ou des couleurs un peu plus chères. Je vais pas mettre ça pour faire une couleur de poubelle. Non, pour faire une poubelle, tout le monde. Des années qu'on m'en a pas demandé. En fait, donc, c'est encore une ligne de 36, 36 mètres à 36 mètres, mais simple. Ça fait plaisir à entendre.
n'avez jamais entendu parler de Willy Archibald? Ah, il était génial. Je vous fais des quarterbacks du cru, ils s'assoupent pas à chemin comme ça. Vous étiez un pro du football. 10 ans. Ils en font plus des potes. Ah, merci beaucoup. Ah, merci à toi. J'ai juste commencé ma nouvelle créa ce matin, rien que pour faire le couvercle, ça fait 2 heures que je suis dessus et j'ai toujours pas réussi. Enfin, c'est pas le couvercle en lui-même, c'est vraiment la boule au-dessus du couvercle. Avec le... Il faut que j'insère une boule dans un genre de petit motif floral et j'arrive pas. Je sais pas comment m'y prendre. J'ai une petite idée, je vais réessayer. Le problème c'est que je travaille avec des élastiques. Des élastiques un peu jelly, on peut pas travailler 53 000 fois, c'est les élastiques comme ça, après ils disent plus, c'est une catastrophe. C'est bien ça pour faire la poubelle persian, le cul de la poubelle est affreux parce que les élastiques ne glissaient pas, ils crôlaient. Et c'est une catastrophe, franchement. C'est bien ça, tout ce qui me restait d'élastiques, il me restait, je sais pas, 50 000 élastiques, je les ai jetés parce que c'était. Ils glissaient plus et ça me gonflait. Les persians, les génies, tout ce qui est un peu... oui, gélatineux, je veux dire. Ceux-ci, les opaques, on sait les réutiliser quelques fois. Hein. J'en sais quelque chose, parce que j'ai défait quelques créas en bras. Dont mon petit lapin avec sa carotte, là, je l'ai défait. J'ai fait mon lapin magicien, j'ai redéfait le lapin magicien. J'ai récupéré les... J'ai juste gardé le lapin dans le chapeau, en fait. Les opaques, on peut les récupérer quelques fois. Est-ce que tu me diras pourquoi tu m'appelles comme ça? Oh, tout juste. Voilà, le couvercle de la poubelle est fait. Pour l'attacher, il suffit juste de prendre un élastique. Vous prenez l'arrière de la poubelle, donc l'arrière là où il y a la couture. On tape. Ici, vous prenez le fermoir, vous passez dedans. Je ne vais pas vous expliquer comment faire. Moi, j'ai fait ça comme ça. Je ne saurais pas vous expliquer encore une fois pile poil ce que j'ai fait. Vous le passez comme ça, la poubelle souffle. Parce qu'ici, vous voyez, j'ai pas fait ça super bien non plus. Hein. Voilà mon couvercle. Bon, de toute manière, ça ne se voyait pas. Vous voyez, je n'ai même pas caché mon fermoir. Mon fermoir, il faut que je le cache. De toute manière, c'est voilà, ça retombe sur la tête du chat. Donc, voilà. J'en ai attaché 2 et la dernière, je ne l'ai même pas attaché. J'ai mis le couvercle comme ça. Donc, n'oubliez pas de mettre bien le carton qui va bien tenir le fond parce que le carton, du fait, va se poser sur le carton du fond. Va tenir le carton du fond au fond. Et vu que la poubelle, avec les mailles que j'ai fait, elle recrolle légèrement. Enfin, elle recrolle, je ne sais pas si vous comprenez, croller. On a un orgage bien à nous, les liégeois. Mais voilà, vu que ça rentre vers l'intérieur, normalement, le carton doit bien rester. Vous le faites juste à la hauteur, ici. Vous n'êtes même pas obligé de le monter jusqu'en haut. Hein. Vous l'arrêtez 2 mailles avant, c'est bon. Hein. Vous le mettez à l'intérieur, il va bloquer automatiquement celui du fond qui n'est pas tout à fait bloqué. Moi, de toute manière, j'avais mis un peu de douate dans le fond. Pour poser mon chat. Et je vois la couvercle. À savoir que le couvercle de la poubelle noire, de la poubelle de l'autre poubelle. Non, de la poubelle noire, pardon. Parce que là, c'est la seule que j'ai fait plus large de 48. Il montera plus haut que 36, bien évidemment. Parce que celui-là est adapté à celle-ci. Celui le noir, à mon avis, il faudra facilement monter jusqu'à 42. Donc voilà. La poubelle est faite. À vous de faire la petite attache pour l'arrière. C'est pas compliqué. Voilà. Bon, encore une fois, pas de carton, c'est pas bon comme ça. Parce que même avec le chat, vous verrez, ça va pas être joli. C'est pour ça que je mets des cartons à l'intérieur. Voilà, le tuto est fini. Il est fait par Isabelle Hardy. Je ne sais même pas la date, je crois qu'on est le 6 du 3 2015. Je l'ai fait sur plusieurs jours, donc... Voilà, prochain tuto, je sais pas encore, parce que j'ai plus aucune créa d'avance, là, pour le moment. Je suis sur une créa grosse. Et j'aurai certainement, j'ai la plus grosse et j'ai le plus petit. Je ferai peut-être le plus petit je vous dis pas plus parce que j'ai pas envie de trop dévoiler. Je ferai peut-être le plus petit parce que je ne sais même pas si je vais y arriver déjà. Je ferai peut-être le plus petit en tuto si j'y arrive. Mais c'est une créa Disney de toute manière. Donc voilà, je vais d'abord essayer avant de. Je me lance pas trop vite quoi. Voilà, bisous à tous et bonne créa.